coup, on se retrouve pour continuer les aventures de Basim. Let's go. J'espère que vous allez bien. On est reparti pour tuer les méchants de l'ordre. Je sais plus où j'en étais. Bon, on va voir. Hop, attendez, je regarde un truc. Ok, ça c'est bon. Hop. Examiner. Ah oui, c'est vrai qu'on avait trouvé un nouveau bureau. Hop, attendez, pourquoi est-ce que... Pourquoi la manette, elle a pas envie de... C'est bon. Is ok, problème résolu. Coucou, Rayurson. Ouais. T'as inauguré les nouveaux points de chaîne. Par contre, j'ai mis un cooldown pour pas non plus avoir plein. Oui, non, en fait, j'ai été moi ici. Il faut que je vois pour faire un peu d'autres trucs aussi. Pour les gens qui ont beaucoup de points de chaîne. Par contre, je sais pas. Soit s'il y avait un peu la quête. Sinon, il y a toutes les petites quêtes. Sinon, moi, j'avais dit que je voulais aussi un peu visiter. Je pense que je vais... Je vais visiter un peu parce qu'on a quand même quelques trucs. Je l'avais enregistré celui-là? Ouais, je me souviens même pas. J'avais dû passer. En vrai, je peux descendre ici. Hop. Je me souvenais pas être quand même venu dans ce quartier, mais. Coucou Kabil, comment ça va? Alors. Ok. Bon, il est là-haut. On va aller voir. Bon, faut qu'on trouve. Où est-ce qu'on peut accrocher nos petites mimines? Oh, ça va nickel. Parfait. Il y avait une affiche que j'ai vue tout à l'heure. Hop, on va aller l'arracher tant qu'on est dans le coin. Et sinon les gens ils vont encore crier, oh, c'est un meurtrier. Hop là. Pas très ressemblant. C'est vrai. Tout à fait d'accord avec toi. Est-ce que c'est bon pour vous niveau son? Bonjour monsieur le garde. Ne vous inquiétez pas, je suis un professionnel. Bimaristan. Ok, nickel.
Nickel, si jamais il y a un souci, n'hésitez pas à me dire. Oh, il y a quelqu'un à voler là-bas. Hop, on va l'encoder pour après. Quoi qu'en vrai, on est juste à côté. Je vais devoir aller chercher lui. Oh, c'est pour ça qu'il y avait un petit garde. Regarde. C'est vrai que cette personne, elle... Oui, voilà. Non, faut qu'elle aille dans la petite ruelle. Non, mais reste pas juste là, il y a des gardes. En plus, ils me regardent, les gardes. Après, peut-être que si je suis fondu dans le... Hop là. Ni vu ni connu. Franchement, la garde, elle est géniale. D'une qualité, mais... Franchement, professionnelle. Je peux monter, là? Ah. Je suis peut-être pas monté vraiment au meilleur endroit. J'arrive là, coucou. Alors, je regarde un peu. 1, 2, 3, 4. Je vais essayer de monter là-haut, comme ça je serai un peu plus caché. Faut quand même éviter de juste débarquer devant les gardes. Il y a un truc aussi à l'étage là, mais il y a aussi un petit coffre. Et ça, ça nous intéresse. Pardon, je remettais mon casque. Je regarde un peu. Hein. Là en bas, à mon avis, c'est pas une zone. Ouais. Et la fenêtre par là. Juste regarder. Ok, est-ce qu'il y a une bibliothèque à. Ouais. Regardez comme c'est quoi cette fenêtre là. Ok. Si c'est fermé, ça veut dire qu'on va être bien tranquille. Qu'il y avait des gardes là derrière. Il y en a juste là. Mais sinon, plus ici, j'ai pas l'impression. Vraiment dans la maison. Tiens, je sais même pas, on est où là? Lui le. Je sais pas ce que c'est censé être. J'ai pas encore été voir l'entrée du codex. Pardon. Alors, est-ce que si on descend là? Ok. D'accord, donc on peut quand même monter assez facilement jusqu'au truc des gardes.
a quand même pas mal là. Je vais essayer plutôt peut-être de passer par la fenêtre qu'il y avait tout à l'heure. Alors on a une fenêtre ici. Avec un buisson juste à côté. Et il y a la fenêtre qu'on a cassée ici. Ouais, prendre un peu de hauteur, ça me paraît pas mal. Si Basim veut bien. Alors qu'est-ce que ça fait si je fais par là? De réfléchir là-bas. Oh bah nickel, il y en a un qui a failli arriver là en plus. Franchement, on a eu le bon timing. Il n'y a pas grand chose. Ça va être un peu compliqué parce qu'il n'est pas... Il est pas au bord-bord. Sois mes yeux, Ido. S'il n'y a pas de tireur, on va faire un peu de repérage. Il y en a là, il y en a qui est assis là-bas. S'il y a une qui tout veut bien. Ça c'est ce qui était en bas. Là il y a un petit groupe. Là il y en a un autre, ils discutent. Il y a quand même un peu du monde. Et en vrai, si on élimine surtout ceux qui nous gênent, ils ok. Au-dessus, il y en a quand même pas tant que ça. Bon, je crois qu'on peut tenter comme ça. On a déjà fait un peu de repérage. Ok. J'essaie de vous cacher dans les buissons, c'est pas pour rien. Hop là. J'ai presque envie de tenter le double assassinat là, mais je suis pas sûr que ça va marcher. Parce qu'on avait un couteau. Heureusement, ça fonctionne quand même. Voilà, les cadavres resteront là. Et la femme de ménage qui s'en occupera. Ok, là il y en a un. Il y en a un. Alors, très important. Si j'ai pas le bon instrument, ça va pas le faire. Je dois rester consacré les sous. Non, pas ici.
viens ici, toi. Donc, déjà, on désactive la cloche. La petite gazelle. Sur deux qu'on se fasse voir hein, quand même. Je sais pas en vrai, ils m'ont proposé d'assassiner, j'ai dit ok, hein. Je sais pas du tout qui ça visait. Il en reste plus beaucoup là. Si lui il approche assez près, je peux le viser, puis limite je pourrais peut-être viser l'autre. Un endroit possible. Nickel. Ah bon, maintenant il reste juste celui qui est là-bas. Nos couteaux. Bah, il est où l'autre? Ah non, il y en a un qui a des pop. On a perdu un couteau. Bon, alors, je crois qu'il y a encore un petit truc là-dedans, là. Qu'est-ce que c'est? Non, c'est un truc là. Bon, au moins, on a un couteau. Je devrais te mettre une tenue rouge comme ça, limite il pourrait pas savoir que c'est moi. Barricadé. Évidemment. Je peux l'ouvrir? Ah, des couteaux. Hop. Et voilà, en plus maintenant on a tous nos couteaux. Si ça c'est pas parfait. Alors, hop, évidemment, on récupère ça, c'est pour nous. Alors, qu'est-ce qu'on peut prendre d'autre? Ouais, on n'a pas faim. Hop, ça c'est pour nous. Et le coffre, et les petites pièces, bien sûr. Ah, ça m'intéresse. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Ok. Moi. On verra peut-être plus tard, mais. C'est toujours mon équipement que j'ai, c'est toujours mon préf. Alors, les petits coffres. Déjà, juste. Monde, j'ai quoi qui est mis? J'ai ça. Ok, j'en ai juste. J'ai le droit à deux marqueurs. On a un coffre ici. Et un coffre là. Je pense que c'est tout. Ok. Donc ici, de toute façon, il va falloir rentrer par une porte quelque part. Je sais pas trop où. Et là, le coffre, vraisemblablement, il est juste en dessous de nous. Ok. Bon, il y a quand même un peu des gardes et il n'y a pas grand chose pour se cacher.
Oh non, je suis pas assez. Il y a un petit mur qui nous embête. Après, en vrai, si je me mets là le long derrière le mur, il y a moyen que j'appelle les gardes et, un à un et. Hop, on va juste faire un peu de ménage. Hop, tenez, battez-vous tous. Non, je sais pas viser. Mais bougez pas. Ah, c'est pas grave, j'en ai un. Voilà. Comme ça, il y en a qui font un peu la bagarre. Hop, moi je vais descendre ici tranquillou. Je pourrais quasiment aller chercher le coffre en vrai. Mais bon, il y en a quand même qui sont un peu attentifs alors. Je vais ramasser un truc. Hop. Tu as de la chance, mais ça ne dure pas. Et à lui qui m'embête là-bas. Je voulais pas l'avoir comme ça. Par contre, lui, il est sourd là. Mais viens ici, mon coucou. C'est étrange. Quoi? Mais c'est mort! C'est fou! Moi, tu m'as pas vu. C'est une légende. Du repos contre les hallucinations. Si on a eu le coffre, le reste c'est. Le reste c'est un peu du bonus, toutes les petites babioles et tout. Bon, l'autre petit coffre. Il est censé être en dessous de nous. Donc il faut qu'on rentre quelque part. Que vois-tu, ah, c'est vrai que j'ai pas trop vu où il fallait rentrer. Là il y a l'escalier, mais c'est où on est passé tout à l'heure. Peut-être qu'il y a une porte barricadée. Souvent, s'il y a une fenêtre comme ça. Ouais. Je vais essayer de descendre par là plutôt. Qu'est-ce que c'était? Quoi? Qui laisse traîner des torches? Il faut rire avec leur petite réflexion sur les torches, hein. Voir le feu, voir le beau feu. Et il a pas envie, hein. C'est étrange. Alerte! On a de la visite. Bon, non, c'est juste un oiseau qui siffle là. Il va voir la torche. Et il a pas envie, hein. Ah, y a rien. Bon, bah tu me laisses pas le choix. Je vais descendre. Oh.
coup, la porte elle est bien là. Je pense pas qu'il y ait d'autres entrées. Si là, ce sera tout plutôt pour ressortir là. Alors, on va aller voir les petits gardes là qui nous embêtent. Le plus embêtant, c'est celui qui est juste là. Observe bien. On va quand même les ajouter, hein, parce que les pauvres. Voilà, on va tenter un truc. Oui, voilà. Oui, le plus embêtant, c'est celui qui fait ses allers-retours là-bas. Voilà. J'aimerais bien qu'il meure. Qui va aller se battre contre lui. Ils n'ont pas l'air tous très... Allez, je fais le... Il reste quasiment pas de vie. C'est vrai qu'ils le tuent, mais ils ont pas très envie de participer. Hein. Je vais quand même garder mes couteaux au cœur. A disparu. Ah bah du coup lui il est tout seul. Lui il est tout seul. C'est bien quand ils sont tout seuls. Juste lui là-bas qui fouille un peu. On va attendre qu'il ait fini de se promener. Tu vas pas me tuer, c'est pas vrai. Je reviens à leur petite phrase. Bon, en vrai, s'il est occupé. S'il revient pas par ici tout de suite. Qui reviennent par ici. Qu'est-ce que c'était? Quoi? Non. Ils m'ont pas vu, ils sont cachés. On va pas tenter le diable, hein. On est bien comme ça. Comment ça? Oh non, j'ai pas la clé. Oh non! Alors, que vois-tu? Quelle est la clé? J'ai pas vu la. J'ai pas vu l'icône de clé. Vous avez vu l'icône de clé? Moi j'ai pas vu l'icône de clé. Hmm.
Je suis la tristitude. Celle-là alors? Ah c'est bon. Ok. Bon, il y en a quand même une. Le coffre, il est là. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière l'autre porte? Okay. C'est bon. La tristitude est partie. Savoir ce qu'il y a derrière cette porte là, mais pas moyen de savoir. Donc on n'aura pas la clé. J'ai pas l'impression qu'il y ait de coffre ou quoi. Ça sera pour repartir. Peut-être que c'est par en bas et que la clé est à l'intérieur. Oh, j'ai quand même regardé vite fait, mais. Je vois pas d'icône de clé. Un petit coffre, mais c'est peut-être un coffre à couteau. Hop, ça m'intéresse toujours. Est-ce qu'il est en hauteur ou pas? Non, il est en bas. Alors. On va descendre. Comme si de rien n'était. Oh mais il y a plein de trucs à prendre ici. Oh là là, c'est le paradis. Non madame. On est quand même en train de piller un endroit où il y a des gens qui ont l'air malades. Pas ce que tu vas faire pour tourner les bonnes courses sur Fantasine. Parce que là. Ok, c'est médecin. Bah, du coup, on sait c'est quoi comme endroit. Ok, bon bah ça c'est bon. Il y a des voleurs. C'est fou hein. Franchement on peut pas être en sécurité à Bagdad hein. Il y a des voleurs mais partout. Et le coffre il est censé être. Porte verrouillée. Ok. Bah il faut qu'on trouve la clé. Peut-être on peut. Je pense que c'est genre la pièce qui est en dessous et elle est aussi verrouillée. A mon avis ça sera peut-être pour une quête, hein. C'est logique que ça soit verrouillé. Parce qu'un truc comme la médecine, ça m'étonnerait pas que l'ordre il ait la main mise dessus. Connaissant cette bande de petits filous. Pire que Basim. Hein. On dit Basim le petit filou, mais. Ok, bon bah, ce petit coffre, on verra plus tard. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici. Bah, le récit de Bagdad, on va aller voir pour le faire. Après, on aura aussi quelques contrats. Je regarde toujours parce que le mur, on voit pas très bien. Là, il y a un contrat, le botaniste. On va regarder pour faire ça. Pardon.
Celui-là aussi. Ah, si en plus, je donne 2 points de compétence. Oh, celui-là, il m'intéresse bien aussi. Je pense que je ferai peut-être d'abord celui-là. Peut-être un point de vue ici en plus. Là, il y aura un truc à aller chercher. Faudra qu'on retourne à la maison de la sagesse. Il n'y a que 2 quêtes ici. Site historique, 11 sur 15. Ok, il y en a encore pas mal ici. Les 4 marchés. Et là, il y a un point de vue. Ok, bon, bah là, tant que je suis là, je pense que je vais d'abord faire ça. Et puis ça. Et puis, de toute façon, celui-là est juste à côté du bureau, donc. Puis on fait un retour au bureau. Et on voit après ce qu'on fait. Je suis pas sûre que j'avance dans la quête principale aujourd'hui. Comme on va pas mal avancer dans l'exploration du quartier. Mais en vrai, c'est cool parce que là, c'est vrai que les 2 dernières fois qu'on a joué, on s'est pas mal concentré sur l'histoire principale. Donc, j'ai pas envie de finir toute l'histoire principale et puis de faire tous les petits trucs annexes après. J'aime mieux un peu mixer, passer de l'un à l'autre. C'est plus chouette. Alors, où est-ce qu'il est? Bonjour, messieurs les gars, je suis innocent. Par ici, j'aurais besoin d'un peu d'aide. C'est lui? Tout va bien, je te connais. Je ne me rappelle pas ton visage, mais tu portes notre marque. Je suis Naji, l'un des informateurs de Mantorleyan. J'ai demandé une tâche plus difficile, mais peut-être ai-je eu tort. Décris-moi plutôt l'affaire. J'ai suivi deux gardes corrompus jusqu'au lieu où ils se font graisser la patte. Mais je doute de venir à bout des deux. Beau travail jusqu'ici. Ensemble, nous allons terminer le travail. Suis-moi. Regarde comment on fait je sais plus, c'est quoi mon niveau? Je sais plus c'est quoi mon niveau. Disciple. Voilà. Regarde comment on fait un disciple. Qu'on doit éliminer. Ok. Mais le problème c'est que... Ah, c'est marrant, quand je le vise, il y a sa petite jupette qui s'est relevée. Après le problème c'est qu'il y a d'autres gardes dans le coin, non? Bah évidemment qu'on va être recherché. Hein. Bon, voilà. C'est pas forcément comme ça qu'il faut faire, mais voilà, comme ça ta mission. Hein. Tu l'as fait. Eh oui. Maintenant, il faut s'enfuir, chercher une affiche où quelqu'un a dessiné ta tête et puis l'arracher. Ah, d'abord, peut-être que tu veux qu'on parle. D'accord. On va parler au mieux des cadavres, hein, pourquoi pas. Félicitations. Tu as réussi ta première vraie mission de membre de ceux qu'on ne voit pas. Je n'y serais pas arrivé sans ton aide. Baliverne. Avec un peu plus d'entraînement, tout ira bien, tu verras. Tu manques tout simplement d'un peu d'assurance. Tu le penses vraiment? Oui. Oui. Rares sont ceux qui réussissent brillamment du premier coup. N'abandonne pas. Merci, Basim. Je vais aller rendre compte à Mentor Rayan et voir ce qu'il en dit. Si tu dis d'abandonner, il va se retrouver dans l'ordre. Je crois. Ben, je les connais, moi, ces petits filous là. On leur dit à pas de place chez les assassins et ils se retrouvent à aider l'ordre. Hop, on va aller faire cette mission là. Et si on trouve un petit contrat sur la route, excusez-moi monsieur, on ferait le ménage dans votre marché. Hein. C'est un peu cracra, il y a des corps partout. Ça y est, j'y suis. Liste des lieux où se trouvent les échantillons. Voler les échantillons. Oh, boitillon. Est-ce qu'on va devoir s'infiltrer là-dedans?
Je dirais que oui. Et est-ce qu'on aime s'infiltrer? Oui. Ok. Alors, est-ce qu'ils ont un tireur? Ils ont pas l'air. C'est quoi le lieu? Toute la cour ici? C'est pas un garde, ça? Ok, c'est pas un garde. Ils ont pas de tireur, mais ils ont quand même quelques gardes de perché. Un petit coffre pour moi. Hop, je vais regarder les différents angles de vue, bien sûr. Alors. Hop, il y en a un là. Voilà. On a un petit coffre qui est là. Qui se cache. Hop. Et il y a aussi un petit coffre ici. Après peut-être que dans le lot c'est pas vraiment des coffres, il y a peut-être des trucs à avec des couteaux. On va voir. Je pense qu'on est pas mal niveau repérage. Ah. Encore un qui se cache. Mais il arrive de partout. Ah mais il y a aussi un coffre là qu'on n'a pas au milieu. Je me demande si ça c'est vraiment un coffre. Bon, dans tous les cas, élimination de tout le monde, récoltage des coffres. Alors on va essayer de traverser pour éliminer ceux qui, sont en face. Après moi, ah ouais, c'est vrai qu'on a plus beaucoup. On a un peu utilisé toutes nos ressources. Le plus embêtant, c'est celui qui est là-bas avec son armure. Et encore plus embêtant, c'est celui qui est là-bas avec avec son corps là pour appeler ces petits poteaux là. Et il est censé avoir un coffre qui est juste en dessous de nous. Ok, là il y a une barricade. Et la barricade, pour l'ouvrir, il faut que j'aille de l'autre côté. Bon, je regarde un peu ce qui se passe. Ils sont loin. Ils ne me verront pas. Ils vont revenir par ici. On va surveiller un peu avant de sauter sur lui. Je voulais récupérer des petits couteaux, ça m'arrangerait bien. Bon, je pense que là c'est le bon timing. Ok, bon, si je sais bouger déjà. C'est bon, il est mort? Oui. Par contre, si on se fait encore voir, ils vont appeler leur petit poteau. Je pensais qu'on pourrait ouvrir la fenêtre ici, mais... Ok, est-ce que là, il y a une barricade? Enfin, c'est barricadé, mais c'est barricadé des deux côtés. Est-ce qu'il y a éventuellement une fenêtre? Boum, là on peut rentrer. Ah, ils ont entendu qu'on l'a. Oh non, on a raté du coup. C'est à cause des civils là qui nous dénoncent.
Non, je crois que lui c'est celui qui nous recherche là. Ouais. Qu'on peut pas assassiner. Hop. Bon. Au moins on n'est plus recherché. On a peut-être un petit peu faim. Rien à manger. Excuse-moi, mon bon ami, vous n'auriez pas une petite miche de pain, s'il vous plaît? Non. D'accord, tant pis. Bon bah du coup on a, enfin, on a pas vraiment raté la mission, c'est juste quoi. On a pas eu un des objectifs quoi. C'est pas grave. À mon avis, par ici, ça va le faire. C'est vrai qu'on cherche toujours des échantillons. Moi, j'étais juste en mode yes, des trésors. Oh, et on prend deux petits chats. Coucou, les petits chats. Oui, tu es trop mignon. Tiens, viens ici, toi. Oui, tu es trop pipou. Toi, tu vas devenir un chat assassin. Je suis sûr. Avec des petites griffes là. En plus on se fait un petit pique-nique. Il n'y a pas l'air d'avoir de cartes par ici. On aurait près de l'autre porte non plus. Je vais checker. Après, dans tous les cas, on a déjà été détecté, donc si on se refait détecter. On va quand même essayer de pas se refaire détecter, hein, mais... Hop, lui là-bas, est-ce qu'il fait des allers-retours? Ouais, lui il se lève. Est-ce qu'ils vont causer? Ok. Hey, c'est un tueur! Il vient d'exécuter quelqu'un! Tappan, je dois partir. C'est un peu compliqué d'être dans les lieux avec les concitoyens qui voient tout. Faut, en fait, faut être encore plus discret, quoi. Faut vraiment tout faire cacher. Qu'est-ce que c'était, ça? On prend un temps. Un temps, c'est pas plus mal parce que... Comment ? Ce que je voulais dire. J'ai plus un gros trou de mémoire, oui. C'est pas plus mal de pouvoir faire cacher parce que. Je sais plus. Bon bah à vous de trouver la suite de la phrase du coup. Le contenu de ces jarres me faciliterait la tâche. Oh non, mais viens. Saute, descends. Qu'est-ce que c'était? Réveillez-vous! On a vu quelque chose. Bon, je crois qu'il a pas envie de passer par là. Hop. Ah, y'a rien. Mais si, mais viens voir. T'abandonnes trop vite, mec. Mieux de repartir. Oh, tu m'as fait perdre un couteau en plus. D'où ça vient, ça?
Ah bah voilà. Il aura fallu du temps pour descendre. Quand je te trouve, je t'écorche. Une seconde. C'est pas les IA les plus développées du jeu. Avant tout, prudence. Le contenu de ces jarres peut tuer un ignorant, quel qu'il soit. Bah oui, nous. Moi j'ouvre les jarres et il me dit ça juste après, allez. Hop là. Bon je sais pas, j'ai l'impression qu'il faut quand même que je les fouille ces trucs donc... Au pire on meurt hein. Ça brûle ça. Que ça attire des gardes. Parce qu'ils n'en ont rien à faire. Réponse. Réponse. Ils n'en ont rien à faire. Ok. Non mais c'est bon à savoir. Hein. J'en parlerai à leur boss pour l'augmentation. Avant tout, prudence. Le contenu de ces jarres peut tuer un ignorant. Quel qu'il soit, cette quantité devrait suffire. Par contre, je comprends pas parce que je suis obligé quand même de les ouvrir pour que ça s'active. Comment je pourrais faire subir ça avec, on va dire, un garde. Le calife n'a aucun respect pour l'art de la médecine. Menacer des hommes de savoir. C'est l'heure de mourir. Pourquoi ça m'a pas proposé le... Aïe. Attendez, hop. On va éliminer eux parce que eux ils vont péter. Aïe. Ça se fait pas. Hey, il est où lui? Je vais. J'ai des couteaux. J'ai encore des couteaux. Je comprends pas pourquoi ça m'a pas proposé l'assassinat en double assassinat. Mais parfois, je sais pas, ça marche pas top top. Bon, c'est pas très grave. Ça nous entraîne au combat. Ça nous fait moins d'ennemis d'un coup. Hein. Est-ce qu'ils vont monter? Je ne suis à personne. Voilà. Là j'ai pu. J'ai l'impression que ça dépend un peu. De je sais pas quoi, mais ça dépend un peu. Bon. Si je trouvais la liste, en fait, je pourrais savoir si c'est déjà empoisonné ou pas, je pense. Je pense qu'en fait c'est ça. Bon, au pire. On mange et on se guérit. Hein. Oh non, pas toi, petit civil, excuse-moi. Tiens, regarde, viens voir là-bas. Regarde, ça va mieux. Nickel.
Non, je vais pas tuer des gens, moi. Psi. Psi ou psi. Bon, personne n'a rien vu, d'accord? C'est le monsieur, il a ouvert une jarre, là, et... Je crois qu'il est reparti s'asseoir, ça va. Ouais, il va bien, hein. Bon, on va attendre que lui revienne. Je pense qu'il restera plus grand monde pour aller chercher nos petits coffres. Et faire la quête aussi. C'est bon. Fatal coup de bisalam. Appelez la sûreté. Elle s'occupera de lui. Garde, garde. On va te montrer ce qu'on peut plus menacer les civils. Pas les tuer, mais juste les menacer. Qu'ils arrêtent de crier. Ça me paraîtrait tout à fait logique en fait. Avant tout, prudence. Le contenu de ces jarres peut tuer un ignorant, quel qu'il soit. Bon, j'ai compris, c'est nous qui allons mourir. Mais ça, c'est pas la liste. C'est pas la liste. Ah. Vous avez de la chance, madame. Ça aurait pu mal se finir. Attendez, hop. Faut juste que j'aille. Espérons que les gardes ne vont pas revenir. Ce torchon est tout sauf artistique. Je suis d'accord avec toi. Je vais demander à des professionnels. Hop là. Bonjour. Comment ça, je peux pas les dérober? Ouais, les petits chats, venez dehors, les petits chats, il fait bon. Faut juste pas aller près des jarres, c'est dangereux. Prête-moi ton regard. Petit coffre. Il y a un truc là-haut, mais ça doit être les couteaux. Ah non, c'est un coffre. Toujours vérifier. Rien ne peut nous échapper. On a eu celui qui était là, on a eu celui qui était au milieu. En vrai, je crois qu'on les a tous sur les petits coffres. Ok. Bon, maintenant il faut juste trouver. En fait, je sais pas s'il y a moyen de trouver une liste. Peut-être dans la maison, mais je l'ai pas vue. Encore quelques jarres quand même. Après bon, ça ne fait pas non plus des dégâts de ouf quoi, ça va. Plus voir quand je peux pas trouver cette liste. Ouais, mais il y en a partout les jarres. Mais celle-là, il y a un X dessus. J'ai tous les ingrédients qu'il me faut. Reste à il y a peut-être des X sur les. Attendez, il y en a une que je me souviens que c'en était une d'office. C'était celle. Là, près de la madame. Oh, mais il y avait des croix dessus. Oups. Bah, ça nous a entraîné à respirer des vapeurs chimiques pour mieux résister au danger. Voilà. C'était tout à fait prévu, bien sûr. Qui est mon client? Oh, il est tout là-bas. Hop là, ni vu ni connu. On va même prendre un petit bain. Voilà, ça t'es tout propre. Je vais me courir toute la journée.
Je crois qu'il doit un peu sentir la transpire, la base. J'ai déjà raconté que Madame Elwynir a été furieux contre lui. Qui penserait à chercher ces ingrédients dans un cache-pot? Seuls ceux dans la confidence. Je n'aurais pas dû me dévoiler. Bah oui. Bah oui, hein, t'as tout raconté. Ah, Basim, c'est une erreur de débutant, là. C'est comme les méchants qui dévoilent leur plan en pensant qu'ils ont gagné, et puis hop. Erreur fatale, erreur fatale. Pas assez prêt pour entendre les filles ou autre chose. On a vu le résultat. Là. Allez, vas-y, c'est parti. Pio, 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 pio. Voilà ta. Je croyais que le gars était en train de siffler Small World. J'avais... Une petite note là. Va-t'en d'ici. Oh, mais je compte pas du tout venir là, c'est faux. Oh non, c'est quoi ça? Oh non, il faut tuer personne. Oh non, mais là, tuer personne. Voilà, on fait la commande et puis on vient après chercher les coffres. Oh, c'est pas possible. C'est un garde qui a l'objet. Je dois récupérer. C'est-à-dire qu'il faut que je l'endorme. C'est-à-dire que je n'ai pas les fléchettes. Bon, c'est pas grave. Hein. Pire, je sais même pas c'est quoi les bonus qu'on a quand on fait le deuxième truc. Ça devrait être écrit. Donc, par exemple, si on réussit la quête en faisant la demande du client, bah, ça donne un. Par exemple, un bonus ou quoi. Entre parenthèses ou un truc barré, quoi. Est-ce que là c'est vraiment, enfin on sait pas. Ça tombe je perds rien, ça tombe je perds quasiment rien. Enfin, en vrai c'est genre un peu d'argent, c'est pas grave. Si c'est la moitié de toute la récompense, c'est un peu plus grave. Après y a pas beaucoup de monde. Mais surtout que c'est une zone rouge en fait. Ça serait pas une zone rouge, je peux voler le garde. Quitte à ce qu'il me détecte, c'est pas grave. Mais alors là, ils vont être fâchés dès qu'ils vont me voir, donc ça va pas être évident, ça. Enkidu, il a du mal à marquer les petits gardes, là. Regarde, une mouette. C'est ta pote. Il n'y a pas un garde dans la cour. Ah, il y a un garde là, très bien. Bon, je pense qu'on va tenter comme ça. Sans eux. Ah, et un objet à voler. Ça m'intéresse. Voilà à qui prendre la clé. 63 mètres par rapport à nous, c'est... Ah, c'est pas hyper loin. Je vais d'abord aller faire ça. En espérant ne pas être repéré. Ouais, les gardes ils voient pas. Si on réussit bien le vol, ils voient pas. C'est cool. Il n'y a rien pour toi ici. Est-ce qu'il y a des gens? Le problème, c'est qu'il y en a un qui est juste derrière lui. Et vite.
Mais je pars, regarde, je suis pas là. Je pensais que je suis là, mais je suis pas là. Tu n'as rien à faire dans les environs. Mais je suis pas là. Oh, par contre, là, je suis là. Ouais, pourquoi c'est pas lui qui vient Ce bain de sang était inutile. Inutile. C'est toi qui dis, vas-y, ma mère. De toute façon, dès que tu vois des gardes, tu les tues. C'est un problème que tu as, c'est bien connu. Hop, voilà, tout le monde nous voit comme ça. Où vais-je pouvoir me cacher ? Là, regarde, tu peux te cacher. Et voilà. Youhou. Restez là. Je me dis pourquoi est-ce qu'on peut pas juste se déguiser. Mais que quelqu'un fasse quelque chose. Pas trop ce que je fais. Je vois plusieurs éléments assez importants. Okay, la porte là, elle est barricadée par là. Il y a peut-être eu moyen de réussir sans tuer personne, mais j'avoue que c'est pas. Un peu compliqué, surtout que je pense que j'ai pas les bons outils. Là. Oh, mais j'ai déjà tout. En tout cas, on aura nos petits coffres. Je pense franchement le mieux ça aurait été de l'endormir et le voler, mais... Après ils disent ne tuer personne. Mais si les gardes s'entretuent entre eux... T'es pas considéré comme si c'est moi qui l'avais tué. Là, c'est juste un malencontreux accident quoi. Comme je dis, quand on a déjà tué un ou deux de plus, ça change à rien. Surtout que c'est même pas comme si la quête échouait et je pense qu'on peut même pas la refaire. Donc je sais vraiment pas ce que ça change. Ok, celle-là elle est barricadée, celle-là elle est barricadée. Petit moins de charge. Je sais pas où je vais atterrir. Heureusement, il a le réflexe de se mettre accroupi tout de suite. Profitez des rafraîchissements. J'insiste. Oh, si j'aurais pu réussir.
j'aurais pu réussir en fait, parce qu'il vient se mettre là. Je pensais pas en fait, j'aurais pu dérober comme ça, mais... Quel plaisir. Ouf. De toute façon, maintenant, au point où on en est, un petit peu de baston, ça fait du bien, non? Alors, par contre, donc on est caché, on va regarder pour les coffres. De toute façon, il va falloir que j'aille là-haut. Peut-être que c'est un lieu interdit juste parce qu'il y a une fête, mais dès que j'aurai fini cette quête ici, peut-être que ce sera plus interdit. Hop, il y a un coffre là, il y a un coffre que j'ai mis. Et, de toute façon, je crois que les trois trucs sont. Il y a encore un coffre là aussi. C'est lequel que j'ai mis, moi, le coffre? Oh, il y en a partout. Ouais, si, c'est celui-là. Celui là-bas. Il y en a un ici en dessous aussi. Veille à ce que les invités aient toujours à boire. Je vais quand même tenter de dérober juste pour profiter des rafraîchissements. Si j'aurais pu réussir. J'ai la clé. Non, l'objet. Je devrais assister à des fêtes plus souvent. Ok, j'aurais pu y arriver sans tuer personne. Bon, après, on a tué pour monter, donc on aurait dû faire encore plus attention. Sarbacane. Allez. Putain, un peu l'ambiance à la fête. Non, mais qu'est-ce qui se passe? Qui m'a vu? Il y a les coffres là. C'est pour moi les coffres. Quel plaisir. En vrai, j'ai regardé mes stats, un peu de jeu, et à ce moment, pour moi, j'utilisais pas mal de fléchettes. C'est trop cool les fléchettes. Il y a des ennemis. Je suis content qu'ils se mettent là dans la zone. Là, j'en vois, mais je sais pas trop ce qu'il fait. Je crois qu'il est pas à l'étage ici. Ok, bon, s'il y aurait juste deux ennemis ici, ils sont ok en vrai. Le seul problème, c'est qu'il y a des gens. Après, ça veut pas dire qu'ils nous verront si on est vraiment bien caché. Ils ont pas l'air de nous voir. Nickel. Allez, va-t'en vite. Et il est avec moi le type là, qu'on dit va-t'en vite ou... Oh t'inquiète, bah si, me regarde, tu peux même dérober les gens là. Hop, regarde, tu vois. C'est de bons cieux, et lui c'est le manoir. Non. Non, franchement tu te trompes madame. C'est une ville de petits filous. Alors, ce marqueur là, c'est le 2, je peux le tirer. Hop, et il y avait encore un coffre, donc il y a celui là derrière, et l'autre coffre il est là-bas. Garde, à moi, au secours. Je
Si je le tue dans un buisson, les gens ils le voient ou ils le voient pas? Ok, ils le voient pas. Et c'est ça que je voulais dire tout à l'heure en fait, quand je disais que c'était bien de tuer dans les buissons. Parce que. Comme ça, au moins on est sûr que les gens voient pas. Et on est déjà bien mieux caché pour la. Pour la suite quoi. Genre si on veut. Si on est sûr que les gardes, que les gens, personne nous voit quoi. Plus c'est gradé, plus c'est corrompu. Plus c'est gradé, plus c'est corrompu. Oh, mince. Ah non, c'est bon. Ah non. Je crois que j'étais calme. J'étais pas assez bien caché. Bon, bah du coup, il va y avoir notre pote là qui va arriver. C'est ça la musique pour dire qu'il est dans le coin. Ouais. Tu as poussé ton dernier souffle. Hop. Madame, bougez-vous. Madame, vous allez être en plein combat parce que moi je vous fais mal, même si lui vous fait pas mal. Bah, désolé, hein, madame. En vrai, ça va, je trouve qu'il devient plus facile à battre. Petit assassinat, petite bombe là. Ah, oh, mais non, bah, c'est bon maintenant, je suis plus personne à juger là. Vous voyez pas, je suis blanc comme un petit agneau qui vient de naître. Avec un peu de sang, j'avoue, mais. Coffre. Est-ce que j'ai eu mes points, moi? Celui-là, il est loin. 35. Il y en a un qui est en dessous là. Ah, manger, oui. Manger, nous voulons. Je préférerais l'assassiner, lui, mais. C'est que ce jeu l'assassine, les gens ils vont dire oh non, c'est un tueur! Bah, je l'ai pas lui. Il y a un garde là, il est où? Il y a un garde que j'ai pas dans mon Pokédex. Dans ceux qui se battent là, ils étaient cachés eux. Les petits fourbes. Bon, celui-là de coffre, ça va pas être évident. Ça va aller, mais. Oh, j'aurais dû lui lancer un couteau plutôt. Parce que là, je commence à être à court de munitions. Quelle loose de vie. Oui. Oui. Vous voyez rien, c'est pas vrai. En fait, si tu t'abaisses, je te vois toujours. T'as de la chance que je peux pas te tuer. On en est où ici? Ouais. Ok. En vrai, tant qu'on monte pas au niveau 3, ça va. Hey.
Hop, normalement il n'y a plus personne ici qui peut ainsi. On n'a pas été trop vite encore, ouais. On verra qui c'est qui sera le plus rapide. Oh là, il va avoir... Faut que je trouve un nom à lui. Il est où? Il est tout près ou c'est quand il va arriver qu'il y a cette musique? Oh bon, il est là. Hop là. En vrai, j'aimerais bien, mais je sais pas si ça soit possible, peut-être plus tard, pouvoir l'assassiner en un coup. Peut-être pas. Moi bon, je les ai déjà. Hop, le coffre, c'est à moi. Oh là, je vous permets pas, madame. Je vole aux riches pour donner aux pauvres. Après, si vous êtes riche, effectivement, je vous vole. C'est comme ça. Alors, hop. Qu'est-ce qu'il y a ici? Ah bah c'est déjà où on est venu, c'est une autre fenêtre. Hop. Alors, s'il y a un petit truc à manger, je dis pas non. J'entends le ventre de Basim gargouiller. Alors, le dernier coffre. Il est là-bas. Hop, on peut tenter de faire le tour tranquillou comme il n'y a plus personne. Enfin, comme il y a moins de monde. Là, normalement, il est ok. Non, mais utilise le mot de charge, Basim. Hop. Coffre. Offre-nous une meilleure vue. Coffre ici. Je pense qu'il va falloir rentrer quelque part. Par contre, je sais pas où. C'est une fenêtre qui se casse pas, c'est une fenêtre qui se casse pas. Ah, je crois ici. Excusez-moi, monsieur. De toute façon, je pense que les gens qui sont là, en fait, c'est des riches. Hein. Les gens qui font la fête comme ça. En vrai, je peux presque tenter sans le tuer, lui. Excusez-moi, messieurs. Regardez, je ne pensais pas que je vais regarder sous vos essuies. Hein, mais... c'est un malentendu. Je vous laisse profiter de la fête. Alors d'ailleurs, moi, je profite aussi un peu, là. Hop là.
Y a pas d'autre sortie? Si, y avait la porte barricadée. Hop, parfait. Le client, il est là-bas. Là-bas. Oui, il est derrière. On va passer ici, de toute façon, il n'y a plus de garde. Ah, il faut voler le miroir. Ok, moi je croyais qu'il était en dehors du truc. Ok, autant pour moi. Le miroir est censé être... Oh, excusez-moi, ça sert à moi. Un bel ouvrage pour de beaux reflets. Mais l'heure n'est pas à la contemplation. Ils ont dévoré plein de trucs ici. Top, top, top. Un travail de qualité, bien sûr. C'est là que je dois le déposer. Et qu'on viendra le chercher, j'imagine. Moi, j'espère. Je ne sais pas que ça pour rien. Alors, deux choses. Déjà, point de compétence. Parce que 4 points... Moi, c'est non négligeable. Et ça, j'aimerais vraiment bien l'avoir. Je crois encore plus quand même que ça. Boost de vision. Une patrouille, tout ça, ouais. On va prendre ça. Bon, tant pis si on peut plus faire le petit jeu de pouvoir voler. Bon, en tout cas, que c'est simplifié, je sais pas jusqu'à quel point. Mais bon, si on veut pouvoir avoir plus de couteaux et tout, eh ben c'est cool. On n'aura pas le choix. Alors. Bon, déjà, on a un petit coffre ici. On va aller chercher. Ça. Et ça. Ah mais on a vu de toute façon ici là où il y a le coffre, il y aura sûrement d'autres petits coffres. Au pire ça, si jamais ça doit sauter, on ira le rechercher après. Après on pourrait jusque là. Non, je vais d'abord aller chercher ça. Après on remonte, comme ça on va jusque là. Il reste quoi là? Il reste deux coffres, dont un qu'on a trouvé. Les énigmes. Ben, il y a celle-là. Il y en a une qui est là. Il en manque une qui sera peut-être dévoilée ici. Site historique, il en manque deux. Si je les ai eus. Ça c'est pour la quête. Qu'est-ce qui manque comme site historique ? J'ai du mal à les trouver parfois. En fait les autres ils sont... quand ils sont validés, bah, y a un truc de petit V, mais... Je trouve qu'il se différencie pas tant que ça en fait. Par exemple, ça c'est un qui a pas été trouvé.
Ouais, ils sont quand même du coup un peu plus blancs. Mais ils sont là. Les deux qui nous manquent, ouais, ils sont là. Pas nickel, on ira là, et puis on ira là. Et on va débloquer quasiment tout le quartier. Hop, je reviens, petit coffre, hein, t'en vas pas. Hop, on se retrouve sous le Tsun. Alors. Parce que c'est protégé par des gardes. J'en suis où dans mes trucs, dans mes popoches. Bon, peut-être aller faire un peu les magasins tant qu'on est là. Ok, je crois qu'il est là-haut. Il n'a pas l'air d'être gardé en plus. Hop. Hop. Je vais juste faire mes courses et après on lit ce que c'est. Ça aurait fait hyper facile. Bienvenue à toi. Après, j'ai pas encore testé avec ce truc-là de dérober quelqu'un. Genre quelqu'un pour une quête. On va utiliser la pierre toujours pour une heureuse fois. De... Parce qu'en vrai, on a tellement de pierres. Oh, je peux avoir encore plus de réduction. Je t'offre mes meilleurs prix, mon ami. Bon, on va pas demander plus, hein, mais. Puis-je voir tes marchandises ? En vrai, ça vaut le coup. Je viens de me réapprovisionner. Déjà, hop. On va lui vendre tout ça. On ne sait jamais quand on peut en avoir besoin. On va en profiter. Merci de nous avoir choisis. Songes-tu à améliorer ton équipement ? Bon, je vais en profiter en vrai. Je vais lui demander des promos. Au moins, c'est in the pocket. J'aurais même pu en fait utiliser plus de pierres. Je dois pas. Hop. On va retourner là-bas pour le coffre. C'est un peu plus simple. Du coup, un peu moins amusant. Comme ça se fait tout seul, mais... C'est vrai que du coup, c'est plus simple. Ça, c'est sûr. Et du coup, si ça met un taux de réussite quasiment de 100%, je me demande si je le fais à côté des gardes, s'ils le voient. En fait, faut juste pas rester dans le coin, parce que sinon après les gens ils crient au voleur, mais... Ok, c'est des gens en bleu ici. Un coffre, deux coffres, trois coffres, une clé. Je pense que la clé, c'est ce qu'on va chercher en priorité. On n'a pas l'air de se faire tirer dessus. Ça, c'est plutôt une bonne chose. De toute façon, je sais pas c'est qui les ruites ou je sais pas ce qu'elle a à voir, mais je pense que de toute façon, souvent, tous les lieux qui sont gardés comme ça, c'est des lieux où on va devoir revenir pour la mission principale. C'est vrai que je pense que je finirais plus vite le jeu si je faisais la mission principale parce qu'au final je devrais pas, on va dire, déblayer deux fois les mêmes endroits. Mais c'est ma façon de jouer et j'aime bien faire comme ça. Puis je cherche pas à avoir fini le jeu le plus rapidement possible. Moi, ce que j'aime bien surtout, c'est essayer de le finir à 100%. Moi, le temps que je mets, ça change rien. Ça ne change rien. Alors, où qu'il est ? Il y a un garde. Ah bah il y en a M2. Je
pas si on a la tour. Ouais, bon, enfin, j'ai l'impression que je repasse à des endroits et je redécouvre des gardes. Après, ils bougent en mer. On va essayer d'avoir la clé. Priorité. Parce que si on se retrouve devant un... Il me gêne pas trop lui, mais en vrai, dans le doute. Je préfère qu'il soit éliminé. Il m'a fait peur lui. Il y en avait un deuxième. Coucou tout tout. Il en faut y appeler du renfort. Franchement, les couteaux empoisonnés, c'est mon truc préf. Hein. Je vais juste regarder où on est niveau vie. Bon, je pense que c'est bon. Pas mal. Oui, le petit chat. Montre-moi ce que tu vois. Juste lui qu'on l'ajoute parce que sinon notre Pokédex il est vide. Oh, il y a aussi un petit chat. Alors, est-ce que la clé était... Voilà, elle est en dessous de nous. Ok, je peux genre descendre ici. Le petit chat. La clé elle est genre là en dessous. Là, je peux ouvrir la porte. Mais la clé est genre là. Elle est même pas dans le bâtiment ici. Après, moi, je peux déjà ouvrir la porte là. On peut tenter un truc. Je sais pas si je vais pouvoir faire le double. Alors, vert ou fermé? Let's go. Hop, ça c'est pour nous. Et la clé, elle est là. Je sais pas à quoi elle sert, mais... Clé de coffre. Ça, je vais l'ouvrir au cas où. Je sais pas si je vais passer par là. Je pense que je vais plutôt passer par l'extérieur, comme ça. Pour pas tomber nez à nez avec eux.
j'espère que dans le prochain Assassin's Creed qu'ils font, là, celui au Japon, j'espère qu'on aura un arc. J'espère que l'arc fera son grand retour. Ou alors une autre arme à distance, mais quelque chose où on a un peu plus... on peut vraiment dire qu'on se la prend à distance, parce que là, genre, je pense 4 couteaux, c'est fini. Après, je peux les récupérer, mais c'est-à-dire qu'il faut redescendre, puis remonter, c'est quand même pas... évident. Après, ce que je peux faire, je peux tenter ça. Je peux lancer une torche. Hey, qu'est-ce qui se passe? C'est marrant, la torche elle a bugué. Et hop. Propagation du feu. Bon, là, je crois qu'ils vont tous être au courant qu'il se passe des trucs chelous. Hein. Hop. Ça pour aller récupérer un petit coffre. En plus, je crois que c'est des munitions. Mais... En même temps, je m'entraîne à utiliser des outils. Coffre à 30 mètres, c'est censé être lequel ? Est-ce qu'il a vu des corps, lui ? Est-ce que tu veux rejoindre tes petits potes? Allez, tu as envie de rejoindre tes potes? Alors, oui, mais par contre, ça sera dans le tien. Ici elle est fermée. Et le coffre il est là. Est-ce que... Oui, parfait. Alors encore une petite énigme à résoudre. Hop. Après en vrai, je pense que c'est pas les plus compliquées celle-là. Quand on peut déplacer les armoires comme on veut, ça va. Non, dis pas que tu veux pas passer au-dessus d'un... Quand même, ça me ferait bien. Je veux bien un mur, ça t'arrête, mais un paravent. Pas de ça entre nous, vas-y. Par contre, du coup, la clé, je sais pas si ça servait à quelque chose. On devra revenir plus tard. Après, franchement, il y a des chances qu'on ne doive pas revenir, mais je pense quand même qu'on devra revenir. Hop. Bon, là, il n'y a pas de. Hop là, ni vu ni connu. On va prendre un petit peu de hauteur et on va juste checker au niveau des coffres. J'ai besoin de ta vue. Poum, 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 un petit coffre ici. Un petit coffre là-bas. Je crois que c'est tout. Ouais. Bon, en tout cas, c'est déjà deux petits coffres qu'on laissera pas derrière nous. En vrai, une fois qu'on tue tout ce qui est en haut, souvent ça laisse quand même pas mal de liberté. Hein.
Moi, je trouve que la hauteur, c'est vraiment le... Bah non, quasiment tout l'Assassin's Creed, en fait. Hein. C'est vraiment une fois que t'as l'avantage de la hauteur, quoi. Pour te cacher, pour attaquer. Pas bien sûr. Aucun trésor ne sera laissé derrière nous. Peut-être là-bas, je crois qu'il y a une espèce de cadenas sur le coffre qui est là. En vrai, je crois que la clé, elle nous a pas servi. Donc. Alors, il y en a un qui est là et il y en a qui est là. Descendre ici. Comme ça, on est tranquillou. Bah non, même pas en fait. Bah je sais pas. Peut-être que j'ai déjà eu la clé, mais que je devais pas l'avoir tout de suite. Hein. Peut-être comme l'autre fois qu'on a été chez le collecteur d'impôts, je crois que c'était. Ça a un petit peu fait bugger la quête, mais... Bon, bah, je crois que ça c'est bon. Et on dit ciao les copains. Hop là. J'avais dit qu'on allait ici. Après qu'on allait aller ici. Et puis qu'on devait aller aussi ici et là. Évidemment, il y aura la petite énigme là-bas. Puis après, on verra où on en est niveau exploration de ce quartier. Et on est déjà pas mal, hein. Mange un bout. Allez. Les petites baies rouges. Toujours manger des petites baies rouges. C'est faux. Hein. Mangez pas les petites baies rouges, je vous envoie. C'est qui qu'on pouvait dérober? Pourtant, j'ai. Ah, bah, je crois qu'en fait, il y a des jetons, il y a toujours, ok. Juste que ça dérobe plus facilement les gens qui n'ont rien d'important. Et que ceux qui sont importants sont un peu plus grands. Et à mon avis, ceux qui ont les trucs pour la quête de vol, c'est un peu plus grand. Enfin, tout est facilité un petit peu, je pense. C'est où qu'on doit aller tout là-haut ? Petit coffre, bien sûr, petit coffre. Petit coffre évoité. On va aller par là. Qui crie? Ah, c'est peut-être la madame qui crie. Comme lui a volé un truc. Par contre, elle crie vachement fort hein, si on entend d'ici. Hop. Hop. Nickel. Ah, j'ai toujours peur quand il faut un peu insister sur le saut. J'ai peur qu'il fasse un saut en arrière pour atterrir dans la paille. Point d'intérêt découvert. Ah bah, voilà, la dernière énigme est juste à côté de nous. Ça c'est pas parfait. C'est-à-dire qu'on aura toutes les énigmes. Il manque juste un coffre. C'est où la frontière, c'est là. Hop, un petit check rapide.
Énigme. Alors il y a juste un coffre du coup, ouais. Je sais pas parce qu'il est pas sur. Peut-être qu'on passera à côté. Il s'activera. Sinon après ça on aura quasiment tout. D'ailleurs ça me fait penser que je dis que je regarderai l'énigme, mais finalement j'ai pas regardé l'énigme. Donc je pense qu'on va d'abord collecter les trois énigmes et on les regardera toutes les trois en même temps. Alors. On va pas être très loin. Elle est pas loin, effectivement. Elle est où? Ah, mais elle a l'air derrière de ce truc. Hop, alors, 135. 100. Moi aussi je crie. Excusez-moi. Je suis quand même venu près du gars qui a l'air d'être enchaîné au milieu des gardes. Ils ont rien dit. Je peux pas le délivrer. Bon, ils ont pas l'air très. Ça aussi, ça tombe, ça sera peut-être une quête. En tout cas, ils sont assez sympas. Ah, bah voilà, le coffre il est là. Bah voilà, on aura tout le quartier qui sera rempli. En tout cas, là pour le coup, franchement, les gardes ils sont sympas. Ils me laissent venir juste à côté du prisonnier comme ça. Je pourrais le libérer, partir avec lui. Mais arrêtez de dire va-t'en, c'est pas gentil. En plus, j'ai l'impression, chaque fois, c'est à moi qu'ils le disent. Il y a plein d'autres gens qui passent à côté d'eux et jamais ils disent va-t'en, tu n'as rien à faire ici, des trucs comme ça. C'est de la méchanceté ciblée, je reconnais ça. Inspecteur du marché. Je me fais bully par les gardes. Ok. C'est bon, j'ai compris. Il va falloir qu'on ouvre. Ok. Mais j'ai rien fait. Comment il sait que c'est moi? Je comprends pas comment il sait que c'est moi. Enfin, je veux dire. Ah, mais je sais comment je peux le battre, c'est vrai, j'avais oublié. Hop. Ces vilains tours ne marcheront pas. Bah, désolé, hein, monsieur, mais. Vous m'aurez laissé partir tranquillou. On n'en serait pas là tous les deux. Alors on a fait exploser. Du coup, je suppose qu'il faut que je rentre quelque part. Ok, là il me faut une clé. Où est la clé? Vous avez vu quelqu'un avec une clé? Moi j'ai pas vu quelqu'un avec une clé. Et à mon avis, il faut passer par là. Ah, ou alors il faut faire bim bam boum ici. Ah. Ok, porte barricadée. En même temps, ces coffres-là, il faut les mériter.
Ok, mais la porte est barricadée en face. Du coup, moi, je peux pas. Honte à toi ! Garde ! Faites venir la chouta ! Je suis occupé, excusez-moi. Ouais, du coup, les gardes, parfois, ils réagissent quand même un peu. Hein. Ils vont en avoir marre des gens qui crient garde et y a rien. Ici, peut-être ? Elle aussi, bah, regardez. Après où j'étais. Je vais peut-être lancer un couteau aussi là, sur la barricade. Tu avais trop peur, Pipou. Je savais que t'aimerais ce. Que t'aimerais ces points de chaîne. Tu vas pouvoir te dépenser. Bon. Ah, ici. Ah non, je suis trop. Moi, j'étais presque contente. Je me dis, ouais, j'ai trouvé. Ouais, ce serait quasiment pas mal si ce n'était pas accroupi. Mais comment ça, tu t'es fait peur aussi? Mais tu savais quand même bien que t'avais utilisé ça. Tu me fais trop rire. Je suis un peu loin là, non? On peut toujours tenter le coup, hein. Si ça passe jamais en rouge, c'est qu'on l'aura pas. Ok, il nous faut la clé. Que vois tes yeux? J'ai pas l'impression qu'il y a un petit coffre là, par contre, ça m'intéresse. Ah, là, il y a une clé. Je sais pas si c'est une clé là. Je vois pas de clé aux alentours, donc... On va aller voir. Makorekan. Sans vergogne. Qu'est-ce que tu veux? Aïe. Quoi, vermine? Pardon. Mais dis quoi, vermine? Oui, comme je. J'ai vraiment le réflexe juste de m'excuser, quoi. Voilà un comportement. Bon, c'est bien, après, je suis beaucoup plus RP quand je fais du RP, quoi. Oui, tu es où, mon petit coffre? J'ai vu un autre petit coffre, là. C'est par ici? Et elle. Ah, il est là. Bonjour. Oh non, j'ai pas la clé pour celui-là. Bon, bah en espérant que je n'oublierai pas sa présence. Moi je reconnais qu'il a pas bien réglé son clavier. Bon. Non, on se peut pas à la porte. Bon, écrivez pas que je suis là, s'il vous plaît. Bon, ça va être barricadé. En fait, les gardes, si personne ne leur dit, ils remarquent rien. Ah non, c'est pas la clé de ça. Bon, bah, on cherche deux clés. Je vais scruter un peu les environs, mais... Prête-moi ton regard. Après, je sais pas, hein, peut-être que les clés, elles sont pas du tout...
Petite clé, petite clé, où vous cachez-vous, petite clé? J'ai besoin de vous, petite clé, pour m'en mettre plein les poches. Là-bas, il y a une petite clé. Je sais pas ce qu'elle ouvre, mais il y a une petite clé. Parce que celle qu'on a trouvée, c'était... truc des quatre marchés. Cache, truc de bandit, ouais. Dans les quatre marchés. Ouais, les énigmes, je vous oublie pas, je vous regarde après. Là, on est dans les quatre marchés, hein. C'est-à-dire qu'il y a une autre porte encore? Bon, de toute façon, à mon avis, il y a plusieurs clés dans les quatre marchés. Hein. Bon, bah déjà, s'il y a une clé là-bas, hop, elle va entrer dans notre possession. Et si on trouve une petite affiche aussi à arracher. Ah bah nickel, il y en a justement une là. Espérons que personne ne crie tout de suite. Ben, je l'ai raté. Je suis un homme en charge. Plus maintenant. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Ok, je vais juste voir à l'étage. Et après, je vais voir dans la pièce à côté. Je pense qu'ici, il y a juste des petites bricoles à prendre. Ah, clé de réserve des quatre marchands. Bon, c'était lui qui avait la clé. Et où l'escalier? Je trouve plus les escaliers, moi. Arrière, maintenant. J'ai vu une fenêtre qu'on pouvait casser. Elle est ici. Allez, c'est chiant. C'est à côté de où je suis rentrée. Par exemple, je me demande si j'étais ici, est-ce qu'ils pourraient me rejoindre? Parce qu'ils peuvent pas ouvrir les portes en vrai. Il y a des lettres, mais je sais pas vraiment de qui c'est, pour qui c'est. Plein de petites intrigues. Je pense que ça complète l'histoire. Bah voilà, en tout cas on a l'autre clé. Bon, on a au moins une clé, celle de la réserve là. Du coup, on va retourner près du coffre. Voilà, mais qui est là. Parce que je pense que c'est pour obtenir le grand coffre. Je sais pas. Ah. Oh bah dis donc. Comment ça, j'avais tout oublié. C'est vrai que j'ai pas. Autant le, la ville, la toute première ville, on l'a vraiment regardé avec, avec Piu Piu de fond en comble. Mais autant ici, c'est vrai que j'ai pas les quartiers, j'ai pas vraiment regardé. Après, souvent, c'est un peu au fur et à mesure aussi que je vois s'il y a des coffres, mais des petits coffres, il en restera sûrement. Ah, il y a encore une clé là qui se promène. Disons qu'il y a beaucoup de clés qui se promènent. Peut-être que c'est la clé qu'on cherche. Je vais aller voir. Excusez-moi, messieurs les gardes. Ouais, mais c'est quelqu'un qui est juste à côté. Hop. Et je disparais comme une ombre. J'ai même pas regardé, du coup j'ai pris la clé, mais j'ai pas... Du coup j'ai même pas vu si c'est la clé de quoi j'ai prise. Donc j'ai la clé des réserves et... Ah, ça doit être ce coffre-là, à mon avis. Nickel. Alors, ça et celui-là, il est là au-dessus. Après, il n'y a quand même pas 10 000 clés, je suppose. Oh.
rien fait. Bah. Pourquoi est-ce qu'il veut m'attraper, lui? On en parle de ce délit de faciès juste parce que j'ai une capuche. Hein. Et ouais, vous m'avez perdu. Pour être sûr. Hop là. Regardez, hop. Personne ne m'a trouvé. Peut-être que j'étais quand même trop près de la zone. Je vais faire attention, j'étais peut-être trop près de la zone. Ça allait barricader. Viens. Mais qu'est-ce qu'il y a? Au moins, si on le tue, personne ne verra. Par contre, je peux combattre. Et ne te laisse pas emporter. D'accord. Allez, fais une erreur. Je comprends pas. Oh non, il y a personne qui me voit là, je suis dans la maison. Bon, si d'accord, il y a l'autre garde qui m'a vu éventuellement. Mais... Ah mais il est même pas mort. Par contre la caméra là, dans les petits lieux comme ça. Bon ben je sais pas, c'est peut-être parce que je suis dans le quartier encore et que parce que pourtant j'étais en mode discret. Je sais pas pourquoi ils ont commencé à me courser. Je trouve pas ça très sympa mais. Mais bon, vas-y, il n'a pas la vie facile. Hein. Ah, mais il y en avait une là. Non, mais je peux pas. Non, elle a l'air d'être mise. Hop. Mince. Citoyen, restez pas là, hein, d'accord. Alors, je sais pas si la personne elle a peur ou si elle rigole. C'est un peu bizarre. Peut-être qu'elle aime le feu, hein. Écartez-vous, citoyens, écartez-vous. Oui, c'est comme ça, quand on oublie les clés de chez soi, bah, faut bien ouvrir comme on peut, hein. Alors... Parce que moi je tire. Oula, attendez, c'est bugué. C'est bon. Parce qu'avant ça réagissait très bizarrement. Normalement, je dois monter. C'est-à-dire qu'il y a un endroit où je dois utiliser ça. Oui. Ouais, ici, je pense que c'est suffisant. Il n'y a pas besoin d'être à 3 km. Hop. Je crois que niveau discrétion, je suis pas la meilleure. Bon, je suis pas la pire non plus. Hein. Rien ne peut nous échapper. Mon petit coffre. Et ton petit coffre. Alors il y en a un là, mais c'est pas lui. C'était lui. J'ai l'impression qu'il était beaucoup plus près. Alors c'est lui. Oui, donc maintenant il y a des coffres qui réapparaissent de partout. Je cherche un coffre et j'en trouve deux. Ah bah je vais pas m'en plaindre. Hein. Les petits coffres.
je prends. Alors, lequel est le plus près? Ah non, il y en a un qui devrait plus exister. C'est le... Si, le 2. Ok, le 2, c'est bon, je pensais qu'il était... C'est bon, là, si je passe, les gardes, ils me laissent tranquille ou... Je peux prendre de risques, hein. Moi, j'ai l'impression qu'ils sont pas contents contre moi. Bon, j'avoue que... J'ai peut-être tué un peu beaucoup de gardes, mais... C'est tous des erreurs. Hop. Ah oui, c'était celui-là. Alors, est-ce qu'on va pouvoir l'ouvrir? Ah, on stoppe pas celui-là. Non, c'est pas celui-là, parce qu'en fait il est pas là, il est au-dessus. On s'est fait avoir. Oh, il est même pas à l'intérieur. Okay. Non mais oh le serpent! Vraiment, les gens ils gardent leurs petits serpents comme ça dans des pots sur leur terrasse. Hop. Ah, du coup, je suppose que c'est celui qui est là-bas. Et si c'est pas celui qui est là-bas, et ben c'est encore un autre que j'ai perdu. Laissez-le. Parce que j'ai pas l'impression que c'était ce bâtiment-là. Mon kipipo. C'est où il y a le... Ah, oh, bah l'esclave il est plus là. Et c'est pas moi qui l'ai aidé à s'enfuir, hein. Ça tombe, ils vont dire comme je suis passé à côté, c'est moi qui l'ai aidé, tout ça, tout ça. Oh, je les vois déjà venir. C'est pour moi. Hop, ça c'est pour moi. Ça c'est pour moi. Hop. Je reviens tout de suite.
Désolé. Hop. Nickel. Oui, donc du coup on est en train de piller des coffres. Bon, du coup c'était quand même pas celui-là. Que celui qu'on cherche a été fermé à clé le coffre. Attendez. Il était. Je crois qu'il était juste à côté. Hein. C'est genre la maison juste à côté. Ah bah oui, là. C'est celui-là. Bon, en tout cas, il y avait pas mal de coffres dans la zone. Je pense que si je vole un petit peu, soit je me fais tirer dessus. Là, je crois que c'était le truc de Savonie. On peut peut-être en trouver d'autres. Après, je sais plus les quartiers que j'ai déjà fait, peut-être. Ouais, bah là par exemple, il y en a un. Il y en a un qui est gardé. Ouf, en vrai, ah, je crois qu'il est même. Il sait même pas qu'il est gardé, je crois qu'il est dans une. Oh, il est dans le scriptorium. Hein. Bon, on le prendra quand on ira au scriptorium pour une quête. Je pense qu'on devra se retourner pour une quête. Donc, pour un coffre, on va pas s'embêter. Quelle est mon affiche? C'est bon, les gardes vont rester tranquilles. Bah non, c'est bon, on reste pas caché. On a enlevé. Tu es libre, Basim, tu es libre. Profite de ta vie. Bon, en tout cas, le garde est passé à côté de nous, il s'est pas énervé. Plutôt un beau point, ça. Alors. Hop. Je crois que c'était ici. Bonjour, bonjour, bonjour. Hop là. Hop, bon, c'est déjà ça de pris. Hein. Surtout pour le moment, on a tout ça, mais comme on n'améliore pas vraiment nos équipements, bon, en vrai, on est bien. Hein. D'habitude, parfois, genre de trucs qui me manquaient, surtout au début. Mais là, comme j'améliore pas trop. Donc, on va aller chercher la dernière énigme. Qui est ici le point de TP le plus près, c'est le bureau. Plus après, on pourra directement faire la quête limite. Nickel. D'abord, dès que j'ai une énigme, on essaye de voir si éventuellement on sait pas où elle mène. Parce que je crois que là, les deux qu'on a, c'est avec les petits dessins où je suis complètement perdue. Mais peut-être qu'en avançant dans l'histoire, de toute façon, ça me parlera un peu plus les deux. Parce que bon, si l'énigme nous montre un lieu qu'on connaît pas, c'est parfois plus difficile aussi de le trouver. Quoi. Je vais quand même voir le forgeron. Parce que comme j'ai quelques schémas. Bonjour. Rien. Je ferai en sorte que cela soit le prolongement de ton bras. Ouais, en vrai. Ça fera l'affaire. Hop, tant qu'on a un peu des matériaux. On sent immédiatement la différence. Ça coûte pas encore si cher que ça en matériaux. Hein. Mais les plus compliqués, c'est les petits rouages là pour les outils. 65. Ça fait un peu plus de dégâts, un peu moins de. Une amélioration subtile, mais délicieusement meurtrière. Parade. Je préfère faire plus de dégâts après une parade que retrouver de la santé. Si retrouver de la santé, de toute façon, se reprendre un coup, ça sert à rien. Par contre, je sais pas si c'est mieux
Parade. Oh, j'ai toujours du mal à voir parade et esquive. La parade, pour moi, c'est... LP, c'est genre quand l'ennemi est jaune, et l'esquive, c'est... Je pense que je vais peut-être plutôt prendre celle-là. Du coup, c'est laquelle? Elle fait plus de dégâts. Toutes mes épées vont avoir la même. Je ferai en sorte que cela soit le prolongement de ton bras. C'est d'accord. On peut toujours rendre un instrument plus mortel. Très bien. Ok. Alors. Ok, le fait qu'on soigne, qu'on donne un cinquième coup, j'aime bien. 27. Elle fait pas beaucoup de dégâts, mais plus de dégâts offensifs. 27, 47. Ça, elle fait comme plus. Après, je suis un peu moins fan de ce qu'elle apporte. Tu n'as jamais vu une lame mordre aussi bien. 27, 47. Je pense que je vais garder celle-là. Pour le moment. Rien d'autre ? Non. Par contre, je pense à quelque chose. C'était... Oui, je voulais voir combien j'avais de petits fragments là. Déjà, hop. On va faire ça, sinon ça va nous embêter. Combien j'ai de fragments? 7. Et au total, il y en a... Et là, il m'en manque un. Et là, j'ai... Bon, en fait, j'ai quasiment tout. Je retournerai bien près de l'oasis après l'énigme. Enfin, je crois que je vais faire l'énigme, mais cette quête-là, on verra après. Je vais peut-être juste aller voir... Couturière, tant qu'on est dans le coin. C'est un monsieur, c'est pas une couturière, pardon. Mon ami. Excusez-moi, monsieur. J'ai un... La néglige jamais les... Je peux rien améliorer? Je pensais que je pourrais améliorer des trucs. Yeah. Nous... Donc, énigme et puis oasis. Peut-être qu'on pourra avoir d'autres armes sympas avec les fragments. Va juste falloir plonger un petit peu. Après, je pourrais attendre d'avoir. Parce que je dis quoi, il manque juste un fragment, enfin, un éclat. En vrai, si je trouvais l'éclat, je pourrais peut-être quasiment avoir tout de suite, quoi. Bon, je pense qu'on va y aller comme ça. J'ai vu le port verrouillé, j'ai voulu aller voir ce que c'était. J'ai besoin de ton aide. Ah bah, c'est justement ça. Ok. Bon, bah, je pense que là, c'est vraiment le quartier des clés. Je pense que c'est la famille de Passepartout qui doit habiter ici. Oh, est-ce qu'elle est la clé? Est-ce qu'elle est la clé? Je crois que c'était la clé, mais c'est des... Ah non, je la voulais cette énigme. Je voulais terminer le truc du quartier. Ah. Oh, par contre, il y a des petits coffres partout. Ah bah, à mon avis, c'est dans la pièce ici, le petit coffre. J'ai peut-être vu des petits coffres, peut-être qu'on les a ignorés. Je sais que ce n'est pas digne de nous d'ignorer des petits coffres, mais... Parfois, on n'a pas le choix. Ah bah non, c'est ici, l'énigme. C'est à côté.
Ça, c'est juste une porte qui s'ouvre. Typique pour semer les gardes, ça. Alors, la clé. Oh bah non, bah elle est où la clé? C'est ça? Ça a pas noté la clé? C'est pas toi que je voulais, monsieur. Appelle pas la garde, s'il te plaît. Ah, il est là, le coquidou. Faites venir la garde. On appelle la garde. Attention, les sales voleurs sévissent dans les parages. Allez. Faut juste attendre qu'ils se calment un peu, les gens. Pas un petit banc là même pour s'asseoir. Et... je sais pas si ça fonctionne de faire ça. De faire passer le temps. On va tester. Parce que pour moi, c'est logique que si le temps il s'écoule, ils arrêtent de chercher après nous quoi. Est-ce qu'il y a cette porte à clé? Hop, elle est là. Je vois les gens, ils s'enferment chez eux. Puis il y a un gars qui débarque comme ça. Bon, il faut que je file d'ici. Les gardes, ils ont pas l'air plus que ça. Je pense qu'ils en ont marre. Que tout le monde crie au voleur et au final, il n'y a jamais personne. Ah, bah l'énigme, elle est même pas à l'intérieur. Hop, ça, on peut tirer. Hop, ben voilà, parfait. On va regarder les énigmes. Je prends juste un petit peu de... Ah ouais, non, mais je reconnais ça, c'est une technique pour me garder, ça. Par contre, pourquoi est-ce que... Je l'ai quand même bien activé dans mes compétences, ce truc de vol, ouais. J'ai vraiment du mal à savoir quand est-ce que ça fait quoi. Je pense selon la valeur de l'objet, mais étant donné que j'arrive pas bien à évaluer la valeur des objets. De toute façon, la plupart du temps, quand il crie, c'est que c'est un objet de valeur. Hein. S'il crie pas au voleur. Je pense que c'est des bijoux, des colliers, tout ça. J'aime trop les gens, comme du coup, comme il pleut pas beaucoup. Qui font beaucoup des toits plats et du coup ils peuvent vraiment utiliser leur toit comme comme une terrasse et tout quoi. Bon, les énigmes. Bon, on a ça. Tu penses avoir de la cervelle, alors tente de trouver mon trésor. Tourne vers l'est depuis le lieu où les instruits observent. Ok, l'observatoire. Le bélier, la balance, le chariot cherche l'île où les eaux se séparent. Lorsque tu auras osé passer à gué ses rives, tu trouveras que sur mes flancs, des roues bougent où se trouvent. Ok, donc les roues, ouais, c'est un jadis fièrement. À présent, on en a. Ok.
Elle a pas l'air... Enfin, pas la plus simple, mais je pense pas la plus... Enfin, elle est plus facile que les dessins, je pense. Faut juste qu'on aille depuis l'observatoire. Il y a juste l'histoire du bélier, de la balance, le chariot. Qu'il faut qu'on voit. Et puis qu'on cherche une île. Une île où les eaux se séparent. Il était où l'observatoire? On l'a vu assez vite hein, hier. Avant-hier. L'autre fois. Donc là, c'est la maison de la sagesse. C'était pas l'observatoire. Il est là. Donc si l'observatoire est là. Là, il y a une roue. Là, il y a une roue. Qu'est-ce que ça dit d'autre? Des roues bougent où se trouve ce qui se tint jadis fièrement, à présent abattu et effarouché. Ok, il y a un truc qui est cassé. Mais logiquement, c'est entre... C'est dans cette zone-là. Quelque chose éventuellement qui est cassé. Bon, on va aller jeter un petit coup d'œil. On va voir. Je sais pas si on va trouver. En vrai. Examine les lieux. Je vais peut-être déjà regarder comme ça. Parce que là, il y a les roues qui bougent. Il y en a plusieurs. Déjà, il y a un coffre. Ça, on va le récupérer. Par contre, le truc, c'est l'histoire. C'est le truc que jadis. C'est quelque chose qui maintenant est censé être cassé, je suppose. C'est à l'intérieur des parois. Mais des parois de quoi? Des roues? Après, ça a vraiment l'air d'être du côté des roues. Donc, je pense que si on fouille toute cette zone ici, donc si on prend le pont comme les deux ponts là comme limite, je pense pas que ce soit là. Ouais. Bon, bah on va aller fouiller dans cette zone-là. C'est le coffre. Hop. Et on va voir si on trouve quelque chose. Sinon, bah ça sera une énigme pour plus tard. Donc, je vais déjà aller chercher le coffre. Et après, je verrai. Toujours comme regarder. Parce qu'après, ils disent les parois, donc un truc de la roue. Je sais pas si c'est vraiment la roue en elle-même. Surtout que j'ai pas l'impression qu'on peut vraiment aller. Ce qui fut jadis.